Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. À la une, la publication de résultats de l'examen d'État se poursuit dans l'étendue de la République démocratique du Congo après les 6 provinces Haut-Katanga, Tchopo, Sud-Kivu, Nord-Ubangide, Kasaï-Oriental 1 et Lualaba 2. Ce jeudi 25 août, c'est le tour de Kinshasa Est, Tchangou, Kwilu 1, Kwilu 2, Équateur 2 et Mongala 1. Et le PST poursuit ses publications d'ici le 28 août. En défense, un don de plus du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette fois-ci, ce sont les généraux de forces armées de la République démocratique du Congo qui ont bénéficié de 37 jeeps, 9 de marque Fortinaire. La cérémonie officielle de remise de ces véhicules a eu lieu à la base logistique de Camp Kokolo le 24 août 2022. Suivez ces détails. Dans le cadre de la réforme initiée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que dans le plan d'action du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, que cette grande activité de la remise des 37 Jupimpa vient d'être remise aux généraux nommés en 2018, aux généraux retraités de 2003 à 2018, ainsi qu'à ceux qui nous ont quittés de 2003 à 2018, représentés par leurs orphelins et veuves. Cérémonie présidé par le ministre de la Défense nationale qui auparavant consignait dans les livres d'or les sentiments qui l'animent en ces circonstances. Le ministre Gilbert Kabanda a par la suite remis symboliquement un échantillon des clés des jeeps aux bénéficiaires. Très ému par ces gestes posés par le patron de la Défense nationale, la représentante des veuves bénéficiaires des jeeps a exprimé ses sentiments de gratitude. Pour le général Nicolas Nyembo, le logisticien, cette remise est le dernier lot restant des jeeps offertes par le gouvernement aux généraux. Retour en image sur l'inauguration de l'usine de traitement d'eau de l'Embaïmbo dans la commune de Mongafula par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la grande satisfaction de la population bénéficiaire. Suivez cette page magazine. Pour cet événement commémorable qui apporte solution et bonheur aux Quinoises et Quinois, plus particulièrement aux habitants de la partie sud-est de la ville de Kinshasa, à travers l'inauguration ce jour du premier module des 35 000 m3 par jour de la nouvelle usine d'eau potable de l'Embaïmbo. Nous revenons de l'Embaïmbo dans la commune de Mongafula, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement inauguré cette première phase de l'usine de la Régie des Eaux. Cet événement de taille a connu la participation de plusieurs autorités au niveau national qu'international, notamment le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence ambassadeur de la République de Corée du Sud, membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, président de l'Assemblée provinciale, honorable député provincial, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa et les invités. Il a promis et l'a réalisé 2 ans après depuis que la première pierre a été posée et aujourd'hui, ce qui était comme un rêve pour certains, devenu réalité. Sur place, il y a eu des discours de plusieurs personnalités, entre autres l'ambassadeur de la Corée du Sud. C'est l'équipe de là qui a effectué les études et a construit ces châteaux d'expiration d'eau. Je voudrais dire que c'est pour moi un grand honneur d'être présent dans cette cérémonie d'inauguration de la première phase de la projet d'alimentation en eau potable de l'Embaïmbo. Aussi, je suis content de constater que la Corée soutient la vision du président Félix Tshisekedi
le peuple d'abord. Avant la coupure des rubans par le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobi Lambaka, a parlé au nom de sa population qu'il représente. Au nom des Kinoises et Kinois que je représente, pour cette œuvre grandiose qui va laisser des traces indélébiles dans le vécu quotidien des populations de cette contrée qui, enfin, a le sourire d'avoir accès à l'eau potable, synonyme de mettre fin à la corvée longtemps endurée par nos mamans, nos jeunes enfants et particulièrement nos petites filles exposées souvent à des actes de viol et violence par le fait de parcourir à pied de très longues distances pour puiser de l'eau, parfois dans des circonstances infrahumaines. Le ministre de Mines et Énergie, Pierre Kangoudia, a à son tour révélé et rappelé en même temps la découverte de ce lieu historique qu'a choisi les chefs de l'État pour la construction de ces châteaux d'inspiration d'eau. Nous sommes sur les plaines de Kimbanseke, sur les terres où régnait jadis le grand chef coutumier Ndandou Moko. Ces terres servaient aux colons belges comme lieu de cantonnement des réfugiés venus de l'Angola qui fouillaient la rigueur du régime Salazar. Ces terres propices à l'agriculture approvisionnaient Léopoldville, actuellement Kinshasa. Il a aussi exposé les taux de la déserte en eau potable en janvier 2019 qui présentait un tableau sombre. À cette époque, janvier 2019 donc, le taux de la desserte en eau potable était de 35%, en dessous de la moyenne africaine qui est de 60%. Juste après son discours d'investiture, tenu le 24 janvier 2019, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à bras le corps le problème du déficit en eau potable en République démocratique du Congo. C'est quoi le bilan de la ville-province de Kinshasa? L'usine de traitement d'eau de Ndjili, d'une capacité de 330 000 m3 jour, ne fonctionnait qu'à 60% de sa capacité réelle. Grâce aux actions du chef de l'État, avec l'achat des nouvelles machines, cette usine fonctionne actuellement dans sa capacité maximale, c'est-à-dire 100%. Et des aménagements ont été faits dans d'autres centres régis des eaux dans la ville de Kinshasa. Et l'intérieur du pays? Les travaux de grande envergure ont été réalisés. Je citerai à titre illustratif la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Manono, dans la province de Tanganyika. La réhabilitation du centre de traitement d'eau de la régie des eaux par la mise en service du forage d'eau à Kapemba, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. La réhabilitation de l'usine de Kanyoka, dans la province du Kasai central, dans la ville de Kananga. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Bouta, dans la province du Bazouélé. La réhabilitation de l'usine d'eau du Siro, dans la province du Potouélé. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Kamina, dans la province du Haut-Lomami. Et d'autres actions sont en cours d'exécution dans l'espace Grand Équateur. Le directeur général ADI de la Régie des Eaux SA n'a pas manqué de saluer la franche collaboration entre la République démocratique du Congo et le partenariat extérieur. En cette circonstance mémorable, au nom du conseil d'administration de la Régie des Eaux, du comité de gestion et au nom de tous les agents. Et pour la desserte de la population, un total d'environ 30 km de canalisation ont été posés. Ce premier module réalisé desservira une population estimée à plus ou moins 600 000 habitants résidant les quartiers 6 et 13 d'Ndjili, ainsi que les quartiers Révolution, Cimetière, Kifuta, Mbwala, Boma, Mavyokele, Baumbu,
Koutou, Mabinda, Fokom et Mokali, sans oublier Soumaboua. Permettez-nous de saisir cette occasion pour remercier de tout cœur la République de Corée du Sud pour le financement du premier module déjà consenti. Rappelons que la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette cérémonie est la preuve de la haute importance qu'il accorde à la satisfaction des besoins en eau de sa population. À la même occasion, le coordonnateur du collectif de communicateurs de la présidence de la République, René Tshiasouma, qui avait également pris part à cette cérémonie mardi dernier, n'a pas manqué un mot. Suivez. Il y a eu un temps pour le chef de l'État de promettre, il y a eu un temps de réaliser. Aujourd'hui, c'est le temps pour présenter les œuvres auprès de ce peuple à qui il est redevable. Le chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas quelqu'un qui promet en vain, comme on a voulu le montrer par ce détracteur qui ont voulu le présenter comme un prometteur. Mais le chef de l'État aujourd'hui se montre comme un réalisateur, parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas le bruit quand il travaille, mais il promet, il reste silencieux pour travailler. Et aujourd'hui, vous avez une œuvre complète, et cette œuvre aujourd'hui, c'est une matérialisation d'une promesse. Il avait promis à ce peuple de Lemba qu'un jour, vous aurez quand même une eau bien traitée par les usines de chez vous. Aujourd'hui, nous sommes venus pour l'inauguration de cette grande usine de transformation d'eau. Ce qui montre que cette usine de production, c'est une usine qui va aider une grande population de Lemba et les environs. Ça, c'est une œuvre du chef de l'État selon une promesse faite à ce peuple-là. Le chef de l'État parle, quel que soit le moyen ou le financement nous parvient, l'essentiel est que le peuple soit soulagé. Mais je pense que le travail fait par le gouvernement, c'est avec le moyen de l'État, que ce soit une aide, que ce soit un moyen emprunté, mais c'est le gouvernement de la République qui travaille. Ce qui compte pour nous, c'est le chef de l'État qui est le garant de la nation, qui a offert à ce peuple de sa nation une œuvre telle qu'il avait promis. Même un jour avant de quitter la présidence de la République, le chef de l'État a le droit de travailler pour la protection, pour l'émergence du peuple de son pays. Donc il n'y a pas un temps, comme il faut dire non, voilà, parce qu'il veut quitter le pouvoir, voilà pourquoi il doit faire ça. Le chef de l'État doit travailler même à un jour avant de quitter la présidence de la République. Donc je pense que le chef de l'État a 5 ans de son mandat. Il ne peut pas retrancher un seul jour de son mandat pour dire que c'est un jour de campagne. Ça, c'est un jour avant de quitter le pouvoir. Tous les jours pendant ces 5 ans de son mandat, ce sont les jours de travail. Il doit travailler. Voilà, il le fait. C'est pour le bien-être de la population et non pour les campagnes. Parce que cette campagne, il l'a déjà fait depuis le début de son mandat. Le peuple congolais retiendra qu'il y avait un président qui a fait de la gratuité une réalité dans ce pays. Il y a un chef de l'État qui a fait que les exilés puissent rentrer dans ce pays, qui a fait que le prison puisse se vider avec les prisonniers politiques. Le chef de l'État a fait que toutes ces promesses soient réalisées. Je pense qu'il n'a pas besoin de faire une campagne avec une usine de production d'eau qui est un besoin. Il amène en province le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama Djouni a énuméré ce jeudi 25 août 2022 quelques efforts déjà réalisés par les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri et rassure le retour de la paix dans cette contrée du pays. Suivez. Le dialogue que nous avons entamé par l'initiative du commandant suprême chef de l'État, le dialogue qui nous a amené à Nairobi 1, Nairobi 2 qui va venir d'ici là, nous avons eu aussi des actes d'engagement. Le grand problème que nous avons, c'est que tous ces groupes armés qui étaient souvent sur les nationales et tout, et qui n'ont rien à faire, des fois on peut avoir des petites tracasseries, mais c'est ça le plus grand problème parce que PDDRC se fait attendre. Vous avez appris que il y a eu des morts, mais ces morts-là, c'est pour la dispute
sites de carrés miniers. C'est très rare maintenant qu'on ait des attaques contre la population, contre les sites de déplacés. Donc c'est plus ou moins calme. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de mettre beaucoup de pression sur les ADF, sur Boga et Kabi, là où ils étaient un peu réfugiés. Et donc ils se sont projetés vers la RN4, notamment vers la rivière Ituri et Lolo. Et là, nous avons déjà envoyé des renforts et ils sont en opération. Et je crois que d'ici peut-être la fin de la semaine prochaine, nous aurons quand même le calme de ce côté-là. En fait, il y a deux axes. Quand vous arrivez à Komanda, vous allez vers Kisangani. C'est là où il y avait plus d'ADF. Mais de l'autre côté, sur Luna Komanda, nous convoyons tous les commerçants et tous les véhicules qui viennent de Beni vers Komanda. Nous étions en train aussi d'entretenir nos véhicules. Et donc, je crois que ça a pris un petit retard, mais nous avons envoyé une très grosse équipe pour l'entretien des véhicules et tout, qui doivent convoyer. Donc, je crois que d'ici la fin de la semaine, l'escorte des véhicules va reprendre comme d'habitude. Aujourd'hui, à Ituri, toutes les communautés sont unanimes. Il nous faut la paix. Et tout le monde est engagé. Ils ne vont plus dans les localités tuer la population, non. Ces jeunes-là rentrent à leurs activités. Beaucoup d'entre eux, c'était des empailleurs. Et malheureusement, ces carrés, pendant qu'ils se battaient, ça a changé de propriétaire. Maintenant, il y a ceux qui pensent avoir été les premiers propriétaires, qui veulent revenir dans ce nid, et ils retrouvent que ces nids ont déjà changé de propriétaire. Alors, ils veulent le récupérer par forcément un sérieux. Enfin, nous avons plus des ordres formels de ne pas nous retrouver dans les mines. Alors, quand il y a ces choses-là qui se passent dans les mines, bon, avec les ordres que nous avons, même si on peut intervenir, mais on intervient en retard. Par contre aussi, il faut dire la vérité, c'est qu'il y a aussi des fois nos éléments indisciplinés qui peuvent se retrouver par hasard dans ces mines et ils se retrouvent entre le feu de tous ces faux ou vrais propriétaires et effectivement, ces éléments indisciplinés-là, cela y va. Comme la dernière fois ici, il y a eu des accrochages dans un carré minier. Et malheureusement, il y a eu des militaires qui se sont retrouvés sous le feu des deux groupes et voilà. Si on devrait les sécuriser, je pense que c'est à la police. Et là, nous sommes dans un processus pour la création de cette brigade-là, ensemble avec le chef d'état-major général et le commissaire général, je crois qu'ils sont en pourparlers, pour voir. Restons dans la même province, lutte contre la haine, la haine tribale en Ituri. Le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a tenu un atelier sur le monitoring, le discours de haine et l'élaboration des stratégies contre ce fléau. C'était du 24 au 25 août 2021 à l'intention de différentes communautés de cette province. Suivez ce reportage de la presse militaire en Ituri. Donc vous avez intérêt à prendre votre province à bras le corps, transcender vos problèmes, rechercher qu'est-ce qui vous divise. Il s'agit d'un atelier basé sur le monitoring des discours de haine et l'élaboration des stratégies de prévention et de lutte contre les discours de haine dans la province de l'Ituri. C'est le commissaire divisionnaire Boni Alonga Benjamin, le vice-gouverneur de la province de l'Ituri qui a lancé cet atelier de deux jours et invite les Ituriens à bannir la haine et de cesser à négativiser tout ce qui fait l'un ou l'autre, car l'Ituri n'a que besoin de la paix et rien que la paix. Le refus d'admettre l'autre tel qu'il est, faire de ses défauts des qualités, parce que vous êtes habitués à vivre ensemble. Les deux gens peuvent se frotter, mais jamais ne vont se créer des problèmes. Personne d'entre nous n'a demandé au bon Dieu d'être créé de telle communauté. Mais pourquoi cette haine viscérale? Par cette même occasion, le chef de la division provinciale de la Commission nationale des droits de l'homme, Anitouri, n'a pas manqué à relever certaines problématiques qui semblent être des causes de cette haine qui règne dans les différentes communautés dans la province de l'Ituri. Et ces conflits ont été résolus par des conseils de médiation locaux qui coordonnaient la sécurité de la communauté, parce qu'ils partagent un dialecte commun et ils sont liés par un mariage mixte, la coutume aussi, la tradition. Les colons belges et le pouvoir de Mobutu ont élevé le statut des uns au détriment des autres, ce qui a créé de profondes divisions socio-économiques dans la région et des tensions que nous appelons aujourd'hui la haine se sont aggravées.
Par ailleurs, le nouveau chef de bureau de la MONUSCO, Anituri, appelle les participants à s'engager pour la recherche effective de la paix aux côtés du gouvernement. Je voudrais vous exhorter à profiter de cette occasion pour analyser les modalités, pas seulement les discuter de la question, parce que tous ici, on n'a aucun doute que nous savons de quoi nous parlons. Mais il s'agit ici de nous décider qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette logique. Signalons que la clôture de cet atelier intervient ce jeudi 25 août 2022. D'une province à une autre, lutte contre la criminalité dans la province du Haut-Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé mardi dernier une réunion de conseil de sécurité au cercle Kamarengue à Kipushi. On prépare à cette réunion le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, et quelques personnalités membres du conseil provincial de sécurité. Suivez ce commentaire de Noé Lambeau. Des questions d'ordre sécuritaire, notamment la lutte contre la criminalité et le phénomène Bakata Kananga dans cette partie de la République, ont été passées au peigne fin et des solutions ont été envisagées, a indiqué à la presse le chef du gouvernement central. Des questions liées aux sociétés de la population ont été aussi abordées avec les autorités provinciales du Haut-Katanga. Ensuite, la réunion de sécurité de la province, nous avons tenu à la voir symboliquement dans le territoire de Kipushi, dans cette salle mythique du cercle Kamarengue. Et l'essentiel était d'abord de faire un état des lieux général de la province. Ce qui ressort, c'est qu'il y a un travail accru à faire en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ensuite, d'autres phénomènes comme ceux des Bakata Katanga, sur lesquels aussi les services de sécurité travaillent pour complètement les éradiquer. Mais nous avons évoqué aussi d'autres sujets de l'heure, notamment le panier de la ménagère, et s'assurer que tous les jours nous travaillons pour l'amélioration des prix des premières denrées, bien que le contexte mondial fait qu'il y a beaucoup de pression de ce côté-là. Et nous avons touché un point particulier parce que nous souhaitons avoir une rentrée scolaire apaisée pour voir comment s'y appuyer ce secteur-là. Et donc tous ces sujets ont été abordés et en essayant d'y apporter une certaine thérapeutique pour voir comment améliorer la situation de la province en général. Donc. Signalons que c'est tard dans la soirée que le Premier ministre et toute sa suite ont regagné Kinshasa, la capitale. Chose à présent, il n'est pas encore temps de demander le bilan du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, encore moins le moment de le juger. Donc, attendons jusqu'en 2023. Sont là le propos du président de la structure à nous, le Congo, Denis Kambaï, qui a réagi au micro de Raïssa Kitambala. Nous avons des amis qui sont en train de chercher à vouloir le bilan de l'Union sacrée, maintenant. Le bilan du chef de l'État, maintenant. J'ai dit tout simplement que c'est une peine perdue. Le président de la République doit travailler. La logique, il n'y a que demande le peuple. On ne doit pas perdre le temps. Il y a un justifié. Il y a justifié. Il y a un régime tout. Depuis 66 ans, il y a un justifié. Il y a 3 ans de mandat. Donc, quand il y a un mot. Donc, il y a 3 ans sur 20 ans de mandat. Il y a 3 ans sur 32 ans de mandat. Équilibré. Dans les élections en 2023, s'il y a élection, comme ça, nous avons dit qu'est-ce que nous avons fait aux Anakaye. Parlons santé à présent. 11 à 20 millions de personnes meurent chaque année d'une maladie potentielle mortelle, la fièvre typhoïde. Tel est le bilan présenté par l'OMS après un constat dans quelques quartiers ciblés dans la ville province de Kinshasa. Je vous propose ces commentaires de Noé Lambeau. La fièvre typhoïde tue chaque année des dizaines de milliers de personnes sans que l'on se rende compte. D'après l'OMS, elle affecte chaque année 11 à 20 millions de personnes dans le monde.
Elle est courante dans les quartiers où les conditions de salubrité et d'hygiène sont déficientes, bien présente dans les sites les plus sales. Fréquemment dans les zones où les conditions de salubrité et d'hygiène ne sont pas respectées. Cette maladie se transmet généralement par l'injection d'eau ou d'aliments contaminés par des sels ou des sécrétions de personnes infectées. Le traitement de la fièvre typhoïde se fait en fonction de l'évolution de la maladie. Dans les cas simples, un recours à un traitement d'antibiotiques suffit. Si des mesures d'hygiène individuelles permettent de prévenir bien des cas, un renforcement général des conditions sanitaires est requis pour réduire le risque de la fièvre typhoïde. Retenons que la fièvre typhoïde est une maladie. Autre chose, à présent, le président Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi 25 août 2022 en Algérie dans le cadre d'une visite officielle de 3 jours sous haute tension diplomatique pour tenter d'apaiser les relations entre les deux capitales et relancer les partenariats économiques au point mort. Je propose ce reportage de nos confrères algériens. Emmanuel Macron est attendu ce jeudi 25 août en Algérie. Une visite officielle pour relancer la relation entre les deux pays. Paris et Alger espèrent tourner la page d'une série de malentendus et de tensions. La relation avec le président français avait pourtant bien commencé. Emmanuel Macron avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité et multiplié les gestes mémoriels. Mais il y a eu un coup de froid lorsqu'en septembre 2021, selon des propos rapportés dans la presse, Emmanuel Macron aurait critiqué le régime et se serait interrogé sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation. L'Algérie avait alors appelé son ambassadeur à Paris et face à la polémique, Emmanuel Macron avait finalement dû faire part de ses regrets. La question de l'énergie sera aussi au cœur de cette visite. L'Algérie, exportateur de gaz de premier plan, fournit environ 11% du gaz consommé en Europe contre 47% pour la Russie. Plusieurs pays, dont la France, cherchent à réduire leur dépendance au gaz russe et se sont tournés vers Alger. Par ailleurs, ce déplacement du président français intervient quelques mois après la visite à Alger du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov. Et après une déclaration du président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a évoqué la possibilité que l'Algérie adhère au BRICS, une organisation qui regroupe 5 pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Parlons sport pour boucler cette grande édition du journal. Plus que 30 minutes pour que le football club Amani connaisse ses adversaires après les tirages au sort. Fred Abala, notre envoyé spécial à l'eau. Le football club féminin Amani vient de terminer la dernière séance d'entraînement complexe Fontaine-Gat où le protégé de Charlie Kassongou attend connaître leurs adversaires à l'issue du tirage au sort qui s'organise à 19h où les filles vont être déjà informées de leurs prochains adversaires de la compétition. Il faut rappeler que le football club féminin Amani participe à un tournoi des 6 clubs. Le football club féminin Amani participe à un tournoi international avec 6 équipes, dont 5 équipes de la Tanzanie. Et Amani, la seule équipe de la République démocratique du Congo qui va chercher à défendre l'image du football féminin en RDC Congo. Nous allons connaître les adversaires du football club Amani. Déjà, le règlement de la compétition est disponible. Il faut retenir que 3 équipes par poule. Et ces 3 équipes vont permettre de passer au second tour, qui est le quart de finale, avant la demi-finale et la finale. Nous espérons que les filles congolaises vont rester dans la compétition et ramener la coupe en RDC. Depuis Dodoma, capitale commerciale de la RDC Congo, Fred Abala pour les comptes de Face Télévision. C'est par ici que se boucle cette grande édition du journal, mesdames et messieurs, qui porte la signature de Raïssa Kitambala. Si vous l'avez aimé, dites merci à Junior Dinanga, merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Au revoir.